tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui vous me voyez debout, donc ça signifie que ça va être un haul aujourd'hui. Ça fait un très longtemps que j'ai pas fait de haul sur ma chaîne, ça doit faire peut-être un an ou voire plus. Aujourd'hui on va se retrouver pour un haul Pretty Little Thing et un haul Shein. Donc c'est la première fois que je commande sur ces deux sites là. Voilà, j'ai essayé les vêtements et on va dire que la qualité, je suis un petit peu mitigée sur certains articles. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je vous mettrai bien évidemment le lien des vêtements en barre d'infos. Et puis si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à liker, à partager. Et on commence tout de suite. Voici à peu près tout ce que j'ai pris. On dirait qu'il y a beaucoup de choses comme ça, mais en vrai pas vraiment. J'ai pris peut-être un peu plus d'articles sur Pretty. Donc on va commencer par Pretty. Ok, donc premier article que j'ai pris sur Pretty, j'ai pris cette jupe assez grande. Hop. Là j'ai mis un haut noir basique, mais si vous voulez bien vous habiller, c'est pas avec ce genre de haut qu'il faudra la mettre bien sûr. Mais en tout cas j'aime bien. J'ai pris un 46 et ça taille très bien, il y a encore de la place, vous voyez, j'ai encore de l'espace. Donc j'ai même pris voire trop grand. Je recule un maximum pour que vous puissiez voir à peu près la longueur de la jupe. Écoutez, moi je la trouve très jolie. Voilà, elle est très belle, il y a encore l'étiquette, j'ai pas enlevé. Très très jolie comme jupe, je valide. Et elle coûtait pas très cher du tout, c'était en promotion. Donc voilà. Ensuite, deuxième article que j'ai pris chez Pretty, j'ai pris une jupe aussi, mais en noir. Donc pareil, je pense que vous pouvez voir la longueur. Et celle-ci, je la trouve plutôt mignonne. Donc là, on dirait un ensemble, mais je porte la jupe, elle est là. Et pareil, je l'ai pris en taille 46, c'est élastique. En fait, c'est grave élastique, Pretty Little Thing. Je trouve que ça taille plutôt bien. Même au niveau de la qualité, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'espère que vous voyez bien. Hop. Moi, j'ai un peu de ventre, du coup, si vous mettez une gaine et tout, ça ira bien. Mais même comme ça, sans rien, je trouve que c'est pas mal. La matière, c'est pas vraiment du jean. C'est un peu élastique, du coup ça fait que si vous êtes un peu plus large que moi, ça passera très bien. Voilà. Alors coucou tout le monde, cette partie là, je vais vraiment la commenter en vite fait parce que vraiment ça allait pas du tout. La robe, on voit mon gros ventre, enfin vraiment trop petite. Donc celle-ci, je vous conseille vraiment de la prendre en grande taille parce que là on a trop l'impression que je respire pas et tout. Donc voilà pourquoi j'ai flouté les images parce que clairement c'était pas joli. Donc la robe est trop petite, bien évidemment je vous mettrai une photo de la robe pour que vous puissiez bien la voir hein. Mais vraiment très déçue de cette robe, ça va pas du tout. Donc ensuite toujours chez Pretty, je me suis pris un jean. Donc un jean basique, style jegging un peu. Vraiment très simple, la qualité j'aime beaucoup. Il est très très joli. C'est un jean slim, tout ce qu'il y a de plus simple, ça se trouve partout. J'ai payé pas très cher. Et voilà, ça se porte avec un haut, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est un peu taille haute, hop, donc il monte à peu près jusque là. Il est élastique, donc très bien aussi si vous êtes un peu plus large que moi. Mais vraiment qualité des jeans, c'est vraiment pas mal. Très très bon. Donc aussi, je me suis pris un ensemble que je vais bien évidemment pas vous montrer sur YouTube. Hein, mais je me suis pris, vous savez, l'espèce d'ensemble pour être bien confortable. Donc il y a marqué Pretty Little Thing, donc vous avez le haut et le bas. Je précise que le haut il est réglable, j'avais pas vu au début mais c'est trop bien. Et voilà, vous avez le Pretty Little Thing juste ici. De toute façon, je vous afficherai une photo des mannequins avec les vêtements portés pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc voilà pour Pretty Little Thing, on va passer maintenant à Shein. Avant que vous commenciez tous à rigoler, pourquoi j'ai pris ça? Alors, donc là où nous sommes c'est Shein. Donc je me suis pris une robe, donc je la trouvais très jolie. Par contre j'ai pris un peu grande parce que je voulais vraiment un effet oversize et tout. Donc hop, voici la robe, la longueur bah c'est à peu près voilà, c'est ça. Donc ça c'est une robe que vous mettez obligatoirement avec une ceinture. Moi je la porterais pas comme ça, ça fait trop pyjama. Du coup voilà ce que ça donne avec une ceinture. Moi personnellement je préfère, donc j'ai un peu tiré ici pour que ça fasse un effet un peu voilà, marquage de taille et tout. Donc moi ma ceinture elle est marron, je trouve que ça passe, mais je pense qu'avec une ceinture un peu plus noire ça passerait largement mieux. Ça c'est une robe vraiment d'été. Moi les couleurs comme ça c'est vraiment pas ce que je porte d'habitude. Mais c'est vrai que pour le coup j'aime beaucoup. La qualité elle est très bien. Franchement Shein, sur ce point là je suis vraiment pas déçue. Je trouve que franchement ce genre de tenue ça peut le faire hein. Moi j'aime bien. C'est fluide, j'avais pas de robe, j'ai trouvé une robe. C'est joli hein. Franchement vous faites un beau make-up, vous mettez de belles, une belle paire de talons, votre petite ceinture. Voilà, bien ajusté bien sûr. Là j'ai un peu mis un peu vite fait. Bien ajusté, hop je monte derrière. Voilà, on voit pas mes fesses. Franchement
Moi j'aime beaucoup. Alors du coup, toujours chez Shein, je me suis pris ce pantalon avec l'espèce de chaînette ici. Donc c'est un pantalon cargo. Alors c'est l'article qui m'a le plus déçu en ce qui concerne la qualité. Sinon en soi c'est joli. Je sais comment je vais m'habiller avec, mais la qualité m'a vraiment déçu en fait. Je pensais que c'était vraiment un jean. Et après, ce qui est bien, c'est que c'est resserré au niveau des chevilles. Du coup ça va. Mais c'est vrai que je suis pas spécifiquement emballée quoi. Je m'attendais à mieux. De toute façon, avec Shein, c'est soit on est déçu, soit on est content. Donc là pour le coup, le pantalon, je le trouve très joli, très bien, il me va très bien. Mais en ce qui concerne la qualité, je suis vraiment déçue. Enfin, je sais pas, moi, dites-moi ce que vous en pensez encore une fois, mais je sais pas, niveau qualité, c'est pas officiel. Donc dites-moi ce que vous en pensez, pareil. J'aime beaucoup le pantalon, je sais avec quoi je vais le mettre et tout, mais c'est la qualité qui me... sur laquelle je suis vraiment déçue en fait. Voilà. Franchement les habits sont à ma taille Shein. Je vous conseille plutôt de prendre une taille vraiment au-dessus de la vôtre parce que à la limite je peux faire que ce soit à la limite trop grand et après je peux mettre une ceinture. Là en l'occurrence je peux mettre une ceinture au cas où, mais si bref, moi j'ai vraiment pas confiance parce que c'est un site chinois et les chinois ils ont pas les mêmes tailles que nous. Donc après vraiment si vous êtes sûr de vous, vous prenez votre taille, mais moi je prends toujours une taille au-dessus. Là par exemple, moi je fais, pour ceux qui ne le sauraient pas, je fais du 42-44. Là j'ai pris du 46-48, vous voyez ou pas? Donc voilà, et c'est franchement ça va, hein. Limite j'ai encore un peu de place. Bon après c'est mon problème c'est mon ventre et mes fesses, et mes cuisses. C'est le bas qui va pas, et mon ventre, sinon le haut ça va, mais le reste bof. Mais voilà, en soi ça va, le pantalon il taille très bien. C'est vraiment la matière qui me dérange. Alors ensuite je me suis pris ce pantalon. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des petits boutons dorés. Donc pareil, les boutons, ça se voit que c'est pas hyper ultra solide. Donc il faudra vraiment faire gaffe. Ensuite vous avez deux poches devant. Mais le problème c'est que quand je mets mes mains dans les poches, en fait ça, le pantalon il tombe. Pareil, j'ai pris en trop grand. Et celui-là, est-ce que vous pouvez mettre une ceinture? Oui, vous pouvez mettre une ceinture. Vraiment bien celui-là. Lui, je préfère largement la qualité. Lui franchement il est bien. C'est un peu le même... la même qualité que le jean bleu que je vous ai montré qui vient de chez Pretty. Et franchement, les poches, elles sont devant. Donc je trouve ça assez stylé. Je sais comment je vais le mettre. Hop, le derrière. Là, il est voire trop grand aussi. Pareil, si vous êtes plus large que moi, prenez... ça va vous aller. Voilà, là, il y a tout ça d'espace encore. J'ai abusé. Franchement, j'aurais dû prendre une taille plus petite. Il s'adapte à votre morphologie. Donc moi, je trouve que ça va. Après, Shein, je ne l'ai pas dit au tout début, mais la livraison elle est super longue. Hein. Franchement, attendez pas votre colis parce que je crois que ça a pris 2 semaines à arriver. Après, si le taffing, ça a pris à peu près 1 semaine à arriver. Mais franchement, Shein, attendez pas votre colis. Franchement, faites autre chose, pensez à autre chose, mais pensez pas à votre colis, ça met vraiment trop de temps. Niveau qualité, je suis pas déçue, ça va. J'ai pas vu de fil qui pendait ou de trucs comme ça. Franchement, ça va. Je sais que je recommanderais sur le site, par exemple. Là, je suis pas spécifiquement déçue. Peut-être à part du pantalon tout à l'heure. Mais en soi, la qualité des vêtements, c'est... vous allez chez Primark ou chez Kiabi. Moi, pour moi, c'est presque pareil. Je dis pas que c'est pareil, mais c'est quasiment pareil. Ensuite, dernière tenue qui vient du site Shein. Je me suis pris cette robe. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un effet rési ici. Même au niveau des bras. Par contre, sur cette robe, c'est les bras. En fait, les bras, ils ont l'air un peu serrés, mais en fait, c'est pas serré du tout. Genre vraiment j'ai de l'espace encore. Après c'est vrai que j'ai des gros bras, c'est vrai, ça se voit presque là. La longueur très bien, rien à dire sur ça. Donc hop, c'est un bas rési, j'aime beaucoup. Ça peut se porter directement comme ça, il n'avait pas besoin de rajouter une ceinture ou quoi. Donc j'aime beaucoup aussi, très joli, c'est sexy sans rien dévoiler en fait. Alors c'est pas transparent, voilà, derrière c'est comme ça, c'est pas en rési derrière. Mais sinon aussi, pareil, là je porte ma petite gaine. Et franchement ça va. C'est pareil, la qualité de la robe, c'est une robe que vous pouvez facilement retrouver. Par exemple, cette qualité là, vous pouvez la retrouver chez Kiabi ou chez Primark ou chez plein d'autres magasins. Mais en soi, moi j'aime beaucoup. Je sais aussi comment je vais la marier. Vous faites un beau make-up, vos sourcils, tac. Et vous êtes paré, vous mettez ça, vous êtes habillé en fait. Moi c'est ça que je recherchais plus, c'est vraiment mettre un truc sur moi et pouvoir sortir direct sans me prendre la tête chercher des vêtements. Surtout pendant le confinement, j'ai pris grave du poids, donc il y a presque tous mes vêtements qui m'allaient plus. Par contre on voit du coup là,
là on voit en fait la petite démarcation de genre ici c'est noir et là il y a le devant, c'est un peu dommage. C'est soit ils auraient dû tout faire noir, soit mettre tout en résine. Bon, à part ça, très jolie robe, moi j'aime beaucoup. Donc on va terminer ce haul ici, voilà pour tout ce qui concerne Pretty Little Thing et Shein. Alors globalement, pour vous donner mon avis, j'ai beaucoup aimé certains vêtements. Personnellement, en ce qui concerne Pretty Little Thing, j'ai beaucoup aimé que ce soit le jean, la jupe verte et la jupe noire et l'ensemble sont très bien. Il y a juste la robe, je sais pas ce que je vais en faire parce que du coup elle est un peu trop petite au niveau des bras. Ensuite, en ce qui concerne Shein, bah écoutez, tout me va. Tout me va vraiment, même voir c'est limite trop grand. Le pantalon cargo avec la chaînette, c'est vraiment la qualité qui me dérange. Mais bon, en soi, je peux en faire quelque chose, je peux quand même le porter. Donc à ce moment-là, bon, c'est bon quand même. Maintenant, l'idée, c'est de savoir est-ce que je recommande ces sites. Alors je vous recommande vachement Shein. En ce qui concerne Shein, regardez vraiment les photos, les avis. Plus ce qui est bien, c'est que pour les grandes tailles, vous pouvez sélectionner, en fait même je pense que pour tous, vous pouvez sélectionner comment vous voulez voir le commentaire, c'est-à-dire avec photo et selon la taille par rapport à ce que les gens ont pris. Je trouve ça super bien. La plupart des articles que j'ai pris étaient plutôt bien notés. Vous avez plein de commentaires. Moi, je me réfère surtout aux commentaires pour commander mes vêtements. Par contre, sur Pretty, pour ceux qui le savent, est-ce que vous voyez les commentaires des vêtements? Parce que moi, j'ai pris ce qui était en solde et ce qui me plaisait bien évidemment, mais il n'y avait pas de commentaires. Du coup, je pouvais pas savoir si vraiment le produit il était bon, parce que commander sur internet c'est vraiment compliqué. Mais à part ça, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des bons articles. Niveau qualité, c'est vraiment pas mal. Niveau prix aussi, c'est très bien. Shein, bien évidemment, tout le monde le sait, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez trouver des bons petits trucs. Vraiment pas cher, vraiment. Cette robe là, je l'ai payée 11 €, vous voyez ou pas, et la qualité est vraiment bonne. Donc vraiment voilà, voilà pour ce haul, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais un haul comme ça. C'est un peu le zbeul derrière dans ma chambre là. Là voilà, j'ai un peu caché tout ce qui était pas très joli à regarder dans le plan. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé pour une première fois, donc un haul try on. Et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo, je vous embrasse. Salut !